mais je trouve qu'un musée digne de ce nom se doit chaque année de se renouveler. Alors autrement dit, quand l'État du Valais a donné la patate chaude à la commune de Saint-Maurice qui s'est tournée vers moi, on m'a dit « qu'est-ce que tu vas faire ?» Je me suis dit « mais il faut faire des expositions, mais il faut faire dans un créneau qui n'est encore pas exploité chez nous, c'est-à-dire l'humour, la joie de vivre. » Voir sortir des gens du château avec un sourire qui fait trois fois le tour de la figure, je trouve que c'est la plus belle des consécrations. Et l'art, allez savoir pourquoi, dans un milieu pareil, m'a toujours passionné et intéressé. Mais l'art populaire, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir s'adresser aux enfants, au peuple, être compris de tout le monde. Je me suis fixé comme objectif de séduire et de stupéfier l'artiste. Et il lève les yeux, il regarde le plafond, il hume l'atmosphère du château et il me dit « J'aimerais que cette exposition soit permanente. » Et pour moi, c'était la plus belle des récompenses. Merci. Et c'est exactement ce qu'ont fait les gens, ils ont ramené leurs fraises et surtout les enfants. Alors c'est un vrai livre en or pour nous.